J'ai pas de lunettes. Quand j'ai taillé pendant 3 heures, l'eau me vient aux yeux. J'ai ramené l'angle de boeuf et je l'ai vendu à la fruitière. Oh, oh, oh. Elle ne m'en a pas donné grand-chose. Moi, je m'en foutais. On a pris une pissolette. 2. Elle m'en a donné 3 sous. Qu'est-ce que j'en aurais fait, les champignons? J'ai mieux les vendre et m'acheter un bon bouilli. Pour faire du champignon, il faut avoir de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait, l'empailleur? Il ronfle. T'en es sûr? Tord la bouche. Transpire. Ouh! On étouffe. Il y a de l'orage dans l'air. C'est certain qu'il dort, ce roublard. Sa cuite bien cuvée, il lui arrive de feindre, afin d'entendre les propos que l'on tient sur son compte. Il a les mouches au poil des paupières. Et tiens, il y a encore une dans la bouche. Il faudrait pouvoir lui arracher la langue et la pendre au plafond. Du même coup, plus de mouches, plus de boniments. Qu'est-ce que je pourrais bien manger qui me fasse plaisir? T'auras pas faim tout à l'heure? Dans ce cas, la soupe ne me fera pas envie. Tandis qu'un bout de fromage à des pressants, avec le petit verniol. J'ai là une tonne dont tu me diras des nouvelles. Eh bien, un petit bout de fromage, la tonne où? Il y a de la crêle par là-haut. Alors la vieille, la soupe est à l'orage. Malentendu. Ah, c'est donc toi le chatouilleur. Les gens qui sont libres? Toutes. Pépita est ici? Tu la trouveras là-haut. Pépita! Oh! Pépita! Qu'est-ce qu'il y a? Descends un peu, ma mignonne, on a des bagages, il y a un coup de main à donner. Oh, monsieur le chatouilleur. Et monsieur pour toujours. On y va. Voilà l'homme qui m'a promis le mariage. Comme il est beau, comme il est noble, comme il est fier. Il a pu. Faut pas chercher autre chose. C'est dimanche aujourd'hui, hein? Moi aussi, je te promets le mariage. Alors, où est-ce? Oh! Au bagage. Qui c'est celui-là? Voyons, tu ne connais pas le fanfouet? Le vigneron. M'appelle François Caille. Et le sac à main, là? C'est jeune con, le laveur d'or. Pas ton père. Ouais. Et ça veut marier la Pépita? Mets-nous deux couverts. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Qu'ai-je fait? Que m'a-t-on fait? Hélas, ma mère, quelle douleur! Volée, spoliée, dépouillée, détroussée, râpée, penaudée. Ah, les truands, les brigands, les gibiers de potence! Toi, qui es-tu, toi, immobile comme un lynx à l'affût? Et parbleu, je suis le fanfouet! Le fanfouet? Ma parole, c'est bien le fanfouet, tout en dimanche, série bien lavée et 3 sous dans la poche. Ainsi donc, c'est dimanche, et l'on est à Garouche. Et oula! Tu croyais dans les Amériques? J'ai rêvé. Tu croyais au Pérou? Tu nageais dans l'or. Un cauchemar. Tu orpaillais le grand Eldorado. On me volait mon trésor. Je le voyais venir. Nous y voilà. Tout ça pour nous faire croire encore qu'il possède un trésor. Un trésor fabuleux. En vérité, l'ami, fabuleux. Mais je n'ai pas dit autre chose. Le voici qui recommence. Bien, pas tout, vous faites la dédaigneuse. Tu l'as dit. Je vous montrerai un jour comment je m'appelle. Vous vous mordrez les doigts jusqu'à l'os, ça vous fera mal. Vous verrez alors qui je suis. Qui tu es? Mais il y a 20 ans qu'on le sait. Et 11 mois que tu bois à crédit sous toi. À crédit? L'ardoise est sur la crédence. Moi, je bois à crédit? Tu nous payes de mots, oui. En 11 mois, je n'ai rien versé. Jamais ta note n'a été aussi longue. Et votre mémoire est si courte. Avec quoi je paye? Un titre, le don à l'honorable société. Vous parlez joliment, l'employeur, mais ce que vous dites ne veut
avec de gros sous qui font du bruit sur la table, avec le portrait de notre bien-aimé duc de Savoie, devenu roi de Sardaigne, on ne sait pourquoi, si bien que nous voici sardes, tout comme les insulaires, chants, exergues, effigies, légendes, millésimes, n'importe quel faux monnayeur ou fabrique de petits canons de cette espèce, tandis que moi, la pailleur, je paie avec de l'or. Mais c'est bien ce que je dis. Vous parlez joliment. Mais n'a pas tout est vrai, oui ou non? De l'or. Oui, messieurs, de l'or. Vous venez de Savoie, messieurs, de Chambéry, d'Annecy. L'or aussi me vient de Savoie. Les glaciers le ramènent au plus profond de leur crevasse et me le délivrent par la voie de l'eau, qui est bien plus sûre que les potes. Bonne rivière, là, n'est-ce pas? Je suis orpailleur, laveur d'or. Amédée Jeune-Camp, mon nom ne vous dit rien? Surtout, messieurs, surtout, ne parlez pas la bouche pleine. Qu'est-ce qu'on vous a servi? Du pâté, oh, belle apparence, jolie croûte. Il doit y entrer du lièvre, du canard et de la coriandre. Ouais. Je vois que l'or ne vous intéresse pas. Quant à moi, le médecin m'a interdit le pâté. Ah, le fromage est plus sain, dire l'or d'or. Mais venez donc manger à ma table. Merci, mon brave homme, mais le fromage m'y est présent. En ce cas-là, êtes-vous invité par les contrebandiers? Qui parle ici de contrebandiers? Savez-vous que les gabelous me fouillent à chaque fois qu'ils me voient? Ah, je me rigole bien en pensant qu'ils s'en prennent à moi. Voilà toute l'histoire, mes gentils hommes. Je te prie de croire, l'ami, que nous ne sommes point des contrebandiers. Ah, ça se voit votre blouse, mes bons messieurs. Vous êtes des marchands. Comme vous disait la mère Patou. Mais qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais déjà tout à l'heure? Tu nous parlais de champignons. Non. Comment non? Je disais que ma jeunesse. Si tu veux. Voilà toute l'histoire. C'est vite expliqué, hein? Je me demande même pourquoi j'ai parlé de contrebandier. Ça doit être parce que les sacs sentaient le tabac. Quel sac? Des sacs par ici? Et je ne dis rien. Vous m'avez tellement grosse. Peut-être était-ce la fumée. Des ronds-pipes. J'ai même cru voir un coffre poisson. Ah! Quand la vue est faible, quand les yeux ne vont plus, c'est une grande misère. Ah, il commence à m'agacer, cet idiot! Laisse-moi faire. Et vous là? Pourquoi n'êtes-vous rien? Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Un chien regarde bien un évêque. Dis, ami, tu m'as parlé tout à l'heure d'un coffre qui t'a paru pesant. Si tu savais ce qu'il contient, tu comprendrais qu'il demande à être manié prudemment. Tu n'en croirais pas tes yeux. Pour autant que tu distingues une hache d'une vache. Alors pour toujours, est-ce qu'on le lui dit? Nous n'avons pas de secret pour les honnêtes gens. Ce coffre contient des chansons. Mais qu'est-ce que vous dites? Oui, des chansons, des mourins, des verpillons si tu préfères. Vivants! De quoi te faire besogner 6 mois de plus par année? Mais pourquoi faire des chansons? Ce sont des sales bêtes. Ça dévore les récoltes. Justement, quand un croquant veut faire le malin avec nous, nous remplissons ses jardins de charançons. Mais c'est abominable. Mais oui, c'est abominable, mais c'est comme ça. Alors à présent, la vie, bouge ton fromage et fous-nous la paix. Satan, vous êtes des satans. À ta bonne santé, tout de même. On a bien dormi? Ah, c'est toi, chérie, continue. Les baisers, ça dégrise. Mais au contraire, gros vilain, les baisers, ça grise. Qu'est-ce qui ne va pas? Les envieux, tous. Le monde est fait d'envieux. Ah, si je contentais à l'épaver mon or, à le remuer. Quel reflet d'un terne regard de ces demi-cadavres. Salut, coup de chapeau, on rentrait, des langues comme ça. Mon gros lingot, chérie, quand on possède un présent, on ne crie pas sur les poires. Mais moi, je ne m'en cache pas, tiens. Je l'ai dit au ramadan. Au marchand d'images, au satin d'encre, au colporteur. La suie des cheminées est devenue éblouissante. Les madones de papier ont resplendi d'éclat. Tu veux tout savoir? Je l'ai dit à la gitane. À la gitane? Annonce, raconte, prophétise. Les sequins de son tambourin tourneront les pelles plus rurement que l'étroitesse des hanches. Bon, rien. Écoute. J'ai de l'or! Je suis
lit couvert d'or. D'où sortit ce bouffon? Il est ivre. Il parle assez joliment, mais ça ne veut jamais rien dire. Là, à présent, ferme cette porte. S'il y avait de l'or ici, tu verrais rappliquer le diable et ses fonds. Mais au moins, ça me vaudrait du monde. Alors? Monsieur le banquier auprès. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? La banquier. Mademoiselle Béatrice m'a causé surprise. Heureux de vous retrouver ici, ma bonne Marco. Les auberges carougeoises sont très réputées, mais l'objet de leur réputation est parfois discutable. Vous avez reconnu la bonne servante de votre enfance qui ne sut jamais si elle croyait ou non à la transsubstantiation. J'ai fini par apprendre que je suis catholique, cher monsieur. C'est ma foi ce qu'on est quand on est de Carouge. Le temps n'est pas lointain, ma bonne Marco. Les chants d'ici dépendaient les uns du duc, les autres de la République. Alors ça, monsieur, ne serait mieux dit. Celui que vous voyez, l'homme qui est devant vous, enfin, moi qui vous parle, à mes déjeuners quand leur ailleurs. Je suis né dans une maison située à cheval sur un champ genevois qui appartenait à mon oncle et un champ savoyard qui appartenait à ma tante. Eh bien, le pasteur entra par une porte comme le curé pénétrait par l'autre. Qui a gagné? Oh, il faisait très sombre dans la pauvre maison de mes pères. Le curé qui était vieux et le pasteur qui était myope se trouvèrent face à face en dessus du berceau qu'on m'avait préparé et procédèrent incontinent simultanément à ma sodomie. Allez-vous me dire que vous êtes chrétien deux fois plus que le commun des chrétiens? Non, c'est le chat qui se trouvait dans le berceau. Ce chat fut tout à la fois républicain de Genève et sujet du duc de Savoie. Il est ici carougeois, monsieur. Tout comme nous autres. Rien de plus, rien de moins. Le malheur fut qu'il périt, mangé par un turc. Trêve de plaisanterie. Calmez-vous à rire, Béatrice. Vous plaît-il d'autant que votre oncle ait affaire à des mécréants? L'orage menace, Marco, et notre cheval s'est mis à boiter. J'allais vous demander ce qui nous vaut le plaisir de votre visite. Valentin, mon secrétaire, s'occupe à trouver une autre monture. Cependant, ma femme a profité de ce petit contretemps pour aller faire une visite aux Ravel. Ben, je me réjouis de la voir. Les Ravel, savez-vous que la bohémienne a prédit que leur famille compterait un grand musicien? Il s'agit de la gitane qui a dit que tu seras pendu. Alors, c'est toi que tu seras pendu. Mais non, toi, souviens-toi, toi. J'étais persuadé que je serais toi. Toi, je t'assure. Pendu? D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Oh. C'est vous, mon brave homme, qui parliez d'or tout à l'heure? C'est Saint-Jean Bouche d'Or. Vous vous entendez d'ici, au platane? Je faisais état d'un trésor, monsieur, mais voyez combien les gens sont étranges. Ça n'intéresse personne. Un trésor? Rien. Le banquier a l'air impassible, mais ses oreilles sont tendues comme les voiles d'une frégate. Où est-il, ce trésor? Ce trésor, monsieur, il est à l'orille d'un bois, au pied d'un ormeau sous un flot d'orties. Ce que je voulais savoir, mon ami, c'est si ce trésor se trouve enfui dans quelque caverne de quelque île lointaine, ainsi qu'il en est si souvent l'objet des ivrognes, ou alors dans un temple, tel celui du Seigneur, qui fut construit sur la volonté de Cyrus, et compta jusqu'à 5400 vases d'or et d'argent. Ce trésor, monsieur, vous avez peut-être déjeuné d'un lièvre qui s'est promené dessus. Arrête de faire du bruit de ta bouche. On est, est-ce qu'il te prend? Mais tu m'empêches d'entendre ce qu'il dit, c'est plutôt imbécile. S'agit-il d'écus, de louis, de bijoux, d'objets d'orfèvrerie, des pierres précieuses peut-être? Il s'agit de bulles de salive si nombreuses et si denses que l'arc-en-ciel peut s'y refléter en un cercle complet. Il s'agit de 20 années de travail opiniâtre, des paillettes, monsieur, secrètes et brasillantes comme une ruche. L'arc n'était point une grande rivière. Or que fais-je, ça arrive cendré. Je crible, je tamise, je lave. Sur le velours de mon tambour, le miel se dépose. Un débris de soleil, un bout de lune, un fragment d'étoile. Je recommence. 7 points de poussière, la grande ours, je poursuis. Une pépite grosse comme une carangue. La langue de Josué. Voyez, en moins de 5 minutes, j'ai glané plus d'or qu'il m'en serait besoin pour fabriquer une monture de lunettes. Et il y a plus de 20 ans que j'exerce mon métier. Seigneur Dieu, est-ce que vous devez être riche? Un trésor fabuleux. Il m'intéresserait de savoir à quelle place il opère. Pourquoi? Tu veux te faire laveur d'or à présent? Non, c'est par rapport au cheval. Quel cheval? Notre cheval, bon Dieu! Décidément, t'es bouché à cette heure. Laisse, je t'expliquerai.
Vous avez tiré beaucoup d'or aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oh, pardon, hier, par exemple. Hier, j'étais à l'enterrement. Je veux dire, durant la semaine qui vient de s'écouler. C'est ça, raconte un peu, rien que pour voir. Il y a ces jours-ci, monsieur, une épidémie chez les bêtes dans Fossigny. Or, les cutéreux se débarrassent des cadavres en les jetant dans l'arbre. La rivière charrie des vaches et des poulets crevés. Le rivage est semé de ventres gonflés. Ce que vous prenez pour des pieux sur les pas traisis et partout, d'effroyables dentures rigolent à votre nez de la puanteur qu'elles exhalent. Non, merci. J'attends la crue qui balayera tout cela. Il fera remonter l'arbre jusque dans le Rhône, dans un grand débordement, au point que tous les moulins de Genève tourneront à rebours. Joyeuse perspective. Quand on est aussi riche que vous l'êtes, on peut s'octroyer des vacances. C'est ce qu'on appelle un manque à gagner. Mais pourquoi ne placez-vous pas tout cet or dans une banque? Pensez aux voleurs qui hantent la contrée. Venez, Mandrin. Ne vient-il pas d'opérer dans le Dauphiné? Mandrin n'est pas un voleur. Vous avez raison, c'est un brigand. Il vient d'assassiner un brigadier des fers à Saint-Étienne de Saint-Jean. Une vengeance, monsieur. Cet homme avait dénoncé le frère de Mandrin qui a été pendu. Quant aux fermiers généraux, ils n'ont rien de commun avec les bons fermiers qui nous fournissent le lait. Ouais. Tu ne m'apprends rien, ma bonne Margot. Ce sont des gentils hommes qui ont pris en fermage la perception des impôts. Des affameurs, oui. Ils s'en foutent plein les poches. Margot, tu prends la défense des truands. Oh non, je vous croyais partisan de Mandrin. Oh, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Encore une impertinence de cet ordre bécasse et je vous envoie rejoindre votre tante. Votre miséricorde est plus élevée que les cieux et votre vérité s'élève jusqu'aux nuées. Quoi? Je cite un verset du Cantique de David, psaume 107, verset 4. Vous avez raison, ma nièce. Un verset bien placé dans la conversation vous donne du prestige, en même temps qu'il ferme la bouche des ignorants. C'est un grand avantage de la religion calviniste que de pouvoir en user dans les situations délicates. Mais pourquoi citez-vous David? Votre vérité s'élève jusqu'aux nuées. Et oui, et alors? Sans aller si haut, elle devrait vous rappeler que vous avez applaudi à l'alliance de Mandrin avec les protestants des Cévennes, ennemis du roi de France. Sachez bien insolent qu'il s'agit ici de politique, laquelle ne vous concerne pas plus qu'elle ne concerne notre bonne Margot. Vous n'y comprenez rien. Margot, toi et moi, nous sommes des saintes. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Isaïe, la citation est opportune. Je leur cacherai ma face, car ils sont des enfants auxquels on ne peut pas se fier. Le Deutéronome, bravo, mon frère. Jamais, jamais, ça ne se passera pas comme ça, jamais. Margot, apportez-nous encore un pichet de soda. Sachez, ma nièce, que je suis partagé entre la colère en quoi me mettent vos propos et la satisfaction que me cause votre connaissance des textes. Mais où en étais-je? David, Mandrin, les brigands, le trésor. Venez à mon secours, messieurs l'orpailleur. Notre siècle est celui de Mammon. Votre or est menacé, je vous le dis. On ne voulait donc point le soustraire à l'appétit de Mandrin? Cher monsieur, je me fous de Mandrin. Il est redoutable. Tirez-vous donc, vilaine sainte. Je m'en hyper archi contre fou. On dit qu'il s'est réfugié en Suisse, à deux pas d'ici. Imaginez que sa bande vous fasse une visite. Elle sera reçue comme on s'y recevoir à Carouge. Bonsoir. Avez-vous une chambre pour mon maître? Si fait, mon gentilhomme. Une chambre que je viens de fleurir. Des rideaux au lit de jolis draps et la vue sur le mont Salève. Fort bien. En avez-vous une autre pour moi? Juste à côté. Le matelas vient d'être cardé, tout y sent la lavande. Parfait. Monsieur l'orpailleur? Oui. Mandrin n'est-il jamais venu par ici? Ah, il y vient souvent, mademoiselle, mais il prend bien soin de ne pas se montrer. On le dit beau, généreux, étourdissant d'audace. S'il est généreux, Béatrice, c'est du bien d'autrui. Il est avec les femmes d'une galanterie folle. Oh, est-ce à dire, ma nièce, que la morale en soit bafouée? N'a-t-il pas escorté de Genève à La Roche, mademoiselle de Troyes, alors qu'elle avait perdu son chemin, et cela comme précisément elle craignait de tomber dans les mains de bandits? Ce sont là des gestes faciles, ma nièce. On les provoque et l'on en retire de la gloriole.
Votre demoiselle ne se fût pas effrayée à retrouver son chemin toute seule si les mandrins n'avaient pas existé. Mais prenez donc un verre de compagnie avec nous, monsieur l'orfailleur. Nous avions commencé, je crois, une conversation des plus intéressantes. Tu entends ? Il l'appelle maintenant monsieur l'orfailleur. Et s'il existait ce trésor ? Quelqu'un peut-il avoiner ? Pépita, quand elle aura installé vos bagages. Pépita, voilà, on y va. Ma femme, monsieur le banquier, Offredi, vous raisonnez sagement. Bien, tout qui se passe. Vous êtes ce que vous êtes, monsieur Offredi. Exagérons bien. Je vous le dis, et faites-moi l'honneur de me croire, vous êtes ce que vous êtes. Moins des compliments, monsieur l'orfailleur. Je m'applique à bien servir Dieu et ses créatures, dans le domaine, évidemment, qui m'a été imparti. Chacun apporte sa part. Santé. Ce n'est tout de même pas cette fille qui va s'occuper de nos montures. Si vos chevaux ont besoin d'être bouchonnés, l'homme que voici s'en chargera. Bien sûr, les chevaux n'ont pas les bouchonnés. Riba, les chevaux, ça vaut mieux que leur maître. Qu'est-ce qu'il a dit, celui-là ? Il a dit que les chevaux, on ne sait pas toujours où les mettre. Mais aujourd'hui, l'écurie est vide. C'est curieux, c'est pas ce que j'avais entendu. Et je dis que les chevaux, ça vaut mieux que leur maître. Les soignent eux-mêmes. Mais quand ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, messieurs ? Voilà toute l'histoire. Oh, mauvais pour le raisin. Ce mandrin, croyez-moi, serait-il ici que je lui dirais, tu te donnes bien de la peine et tu ennuies bien des gens pour te faire un peu d'argent de poche. Alors que tu pourrais suivre mon exemple. Seulement voilà, prendre l'arbre à bras le corps, la serrer, la dompter, coucher avec elle. Endurer ses froideurs, ses caprices, ses colères, presser ses rives comme on presse les lèvres, jusqu'à filer d'elle ses soupirs les plus rares. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà ce que je dirais à votre mandrin, mademoiselle. Permettez, je ne connais pas mandrin. Voilà ce que je dirais à ce pauvre trimballeur de tabac dont l'esprit est si bas que, se penchant au-dessus de la rivière, il n'y voit qu'une eau grise, reflétant sa face déformée, bien que tout l'or du monde y défile. Vous dites ? C'est à moi de vous parler ? C'est à vous. Que Dieu vous bénisse. Ma foi, monsieur, vous êtes un joyeux drille. Mais permettez-moi de douter que votre brillant discours, vous osiez jamais l'adresser à Mandrin, en personne. Vraiment ? Vraiment. C'est à boire ? Fais pas le bœuf, pour l'amour de Dieu, fais pas le bœuf. Eh bien, monsieur, j'espère qu'il vous sera donné de le lui dire en face. C'est fait, monsieur le chevalier, car tous les propos qui se tiennent sur son compte lui reviennent toujours aux oreilles, avec la rapidité comme est l'or à troubler l'esprit des humains. Pardonnez-moi de m'immiscer dans la conversation, mademoiselle, mais je pense que votre oncle a raison. Il est vrai que Mandrin est très séduisant. Ce n'en est pas moins un contrebandier. Vous entendez, mon oncle ? C'est un homme très gai, m'a-t-on dit. On l'a surnommé Belle Humeur. Il est chevaleresque, certes. Il aide les pauvres et ne s'en prend qu'aux gens de finance. Mais quel élément de désordre et d'angoisse partout où il passe ! Un tel homme est dangereux pour l'État. Ne prétend-il pas que les tarifs imposés par la douane sont une extorsion ? Que la contrebande est un droit, et plus encore, un devoir. Dieu que je voudrais rencontrer. Vous m'inquiétez, Béatrice. S'il est vrai que Mandrin témoigne à la femme des sentiments d'une haute noblesse, cet homme demeure un brigand. Avant-hier encore, sa bande réchauffait les pieds d'un gamin des environs colombes. Je dois dire, pour être équitable, que c'était en dépit des ordres qu'il avait donnés. La Collonge ? Quelle Collonge ? Comment ça, quelle Collonge ? Il y a trois villages alentours qu'on désigne du nom de Collonge. Ah, Collonge sous Salève. Pour un étranger, vous connaissez bien la région ? Je me suis laissé dire ce nom et l'ai retenu. Il n'est pas besoin pour cela d'avoir lu les voyages de Marco Polo. Marco Polo ? À propos, monsieur, connaissez-vous l'histoire générale des Indes de... Mon Dieu, j'ai oublié le nom de l'auteur. Laissez, je vous prie. Nous sommes à l'auberge. Avoiner, abreuver, penser. Votre jument, excellence, a maintenant le derrière si net qu'on peut s'y mirer. C'est trop de prévenance, mon ami. Accepte cet écu. Vaincu ? Oh, vaincu ! Oh, le bon petit duc ! Le joli portrait ! Si vous avez besoin un jour d'être représenté à Genève, chevalier, je serai ravi de traiter avec vous. Merci, monsieur. J'ai cru entendre que vous êtes banquier. Offredi.
Horace Offredi de la banque Offredi. Banquiers et pasteurs de grand-père en petit-fils. Il est peu de familles qui, autant que la nôtre, aient illustré la parabole du talent. Je serai mon souvenir, monsieur, si l'occasion se présente. Et là, je voyage beaucoup. Il faut avoir un havre, chevalier. Un endroit où la vie vous ayant blessé, les hommes déçus, la vieillesse meurtrie, on trouve réconfort et sécurité. Accordez-moi encore quelques années pour cela. Genève est un bon refuge. C'est la Sichem de notre temps. Il semble qu'Abraham y ait dressé son autel, tout comme Josué son menhir. Pensez-y, chevalier. T'en dépenses. Qui a plus 15 ans, on a fait des procès au verpillon, tout comme nous enfants du bon Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait, c'est qu'on habitua. Voilà les détruire. Yatio. Qu'est-ce qu'il lui prend, celui-là? Il rabâche une vieille histoire. Un procès qui fut fait au Charançon à Saint-Julien. Mais il y a longtemps de ça. Un procès à des insectes? Oh, monsieur vieux, un avocat fut même commis à la défense des parasites. Oh, ça! Il y a ben brave, loupre séchant autour des veines, le veni créateur spiritus, et le deus qui cordior fidelium, et l'upstum de la pénitence, et abolitonie. Permet, il n'y a qu'une façon de faire. Il est de louer que la foi. C'est ton fabitia. C'est du patois, du latin. Du patois? Je croyais avoir entendu du latin. Ce doit être des réminiscences de la messe. Oui, voilà, c'est ce que j'avais inféré. Mon latin est celui d'Horace. Mais c'est qu'il faut être la fête. Il y a tout d'abord le criminel qui s'est membre des verpillons. Il y a un loup Craven. Il y a un grand scandale. D'un courroutier. Dans ce stade même. 20 jours. Et la garde, c'est quelle faute? Mais qu'est-ce qu'il chante encore? Il est échelé. Les smeurs de chansons méritaient de pendu. Faire un mal riant, c'est tenir parti du diable. Mais perdez rien pour Adam, gros crâneux. C'est Caille qui vous le dit. Vous nous ennuyez avec vos charançons. Bon, je m'en vais. Mais je reviendrai. Je donnais le bien. Je reviendrai. Allez, la garde, c'est quelle fois? Ah, monsieur, la voiture est attelée. Madame Offredi vous y attend. Bravo, Valentin. Vous avez donc trouvé un autre cheval. Oh, non sans peine, monsieur. La jument des Ravels suit les routes. Le pasteur ne possède qu'une bourrique ombrageuse, mais quant au curé, il était en train de vendre son cheval à des maquignons. Tenez, on eût dit justement un de ces messieurs. Bref, j'ai supplié, et tant et si bien que le bonhomme et le prêtre, après s'être concertés dans une chambre voisine, sont revenus me dire que je pourrais disposer de l'animal. Il est bon? Il est bon, mais poussif. C'est une bête d'attelage. Oui, je dois dire toutefois que son ventre ballonne à toucher les cailloux de la route. Mais il fera l'affaire. Sans doute. Hélas, sa tête penche comme s'il voulait suivre l'escargot à la trace. Vous ne lui avez point fait manger de la boîte? Il l'a regardé d'un œil jaune, particulièrement lunatique, et n'en a point voulu. Oh, allez-vous me dire qu'il ne tient pas sur ses jambes? Ses genoux ont la malandre. Mais pour l'heure, il tient. Oui, il tient. Si je comprends bien, ce n'est pas un pur sang. À vrai dire, monsieur, il s'agit d'une haridelle assez morfondue, à qui il ne faudra pas demander de prendre le trot. J'espère qu'elle supportera une lieue. Que décidez-vous? Oh, je n'ai pas le choix. Je dois rentrer à Genève où du travail m'attend. Vous n'allez pas vous lancer dans la nuit par le temps qu'il fait? Les devoirs, chevalier. Ne vous mettez pas en peine. Notre voiture est en bon appui. Ah, je m'en veux de ne pouvoir vous prêter ma jument, mais je puis en avoir besoin d'une minute à l'autre. Merci. Alors, ma bonne Marco, tenez. Voilà pour votre vin chaleureux. Point d'affaires, monsieur Offredi. Dois-je me fâcher? Bon, mais revenez-nous. D'ordinaire, mon auberge est bien plus tranquille. Et permettez-moi d'aller présenter mon bon souvenir à votre chère épouse, qui ignore que je suis là. Et l'on sera ravis. Béatrice, venez-t'en, Béatrice. Ce jeune homme, Valentin, est
souvenir, chevalier. Toi, l'empailleur, j'ai deux mots à te dire. Moi aussi, chevalier, j'ai deux mots à te dire. C'est au sujet du grand cheval noir, bossu, qui hante mes nuits de lune lorsque je tripatouille la glaise à mes heures d'insomnie. Qu'est-ce que c'est que ce galimatière ? Deux mots plus deux mots, ça fait quatre mots. De quoi se disputer, chevalier, laissons les dormir. La nuit porte conseil. D'ailleurs, j'ai sommeil. Je vais me coucher. Bonsoir. Et voilà, monsieur de sainte adresse. Le bonhomme a vu notre cheval, la nuit, traverser la rivière, les ballots de tabac sur le dos. Un chantage. Faut-il que je m'en occupe ? Laisse. Pour toi, j'ai bien autre chose. L'homme est roublard, mais j'ai la certitude que je ne risque rien de son côté. À nous deux, Sornion. Dis-moi, as-tu du cœur ? Oh. Oh, la vilaine, la méchante, l'éprouvante question. Prends deux hommes au lion d'argent. Le jeune Bélisard, par exemple, avec prête à boire. Dépasse la voiture du banquier et ramène-moi qui tu penses. Mais qui pensais-je, doux seigneur ? Je t'en ferai le portrait si j'étais monsieur Lyotard. Et là, je ne suis que ton chef. La fillette. Voilà. Un caprice. Une rançon. Risquer la corde passe. Mais se faire tremper comme une soupe, c'est gâcher le métier. Tu refuses ? Enfin, savez-vous ce que nous avons à nos trousses ? Je vais vous le dire. Si... Non, non, je ne partirai pas avant de vous avoir rafraîchi la mémoire. Nous avons au derrière l'infanterie de Navarre et de Bretagne, les régiments de Bigorre et de Nice, ceux de messieurs de Vaudrecourt et de La Rochemont, les dragons du Dauphiné et du Languedoc. Ils courent, ils courent. Que faites-vous des cavaliers de Randeau ? Ils galopent, ils galopent. Les hussards de Fischer ? Ils cherchent. Les gendarmes de Sa Majesté Sardes. Ils dorment. Ah oui, ça c'est vrai. Mais vous, vous rêvez. Allez-vous encore nous flanquer sur le dos toute la maréchaussée genevoise ? Sans compter, Dieu sait quel contingent bernois, toujours prêt à s'occuper de ceux qui ne les regardent pas. Nous rendre indésirables dans les cantons, mais... Tu m'ennuies. Mais enfin, la Suisse n'est-elle pas un pays idéal pour y préparer un bon coup ? Mais justement, je suis ici pour acheter des armes, recruter, réorganiser. D'ici trois semaines, la bande m'aura rejoint. Pour l'heure, elle est dispersée. Nous ne risquons rien. Notre marchandise est logée entre dalles et plafonds. Mais votre coffre, lui, s'étale dans votre chambre comme du beurre au soleil. Allez-vous risquer tout ça pour les yeux d'une pucelle ? Ah, les mandrins défaits pour cette seconde d'amour. Quelle belle chanson on fera à ce sujet-là. Tu dis ? Je dis les mandrins défaits pour cette seconde d'amour. Cette seconde ? Le plaisir pour cette seconde. Tu parles comme un horloger. Notre breloque est en danger, belle humeur. N'as-tu jamais connu jeune fille plus romanesque ? Mademoiselle Ophélie fera partie de la bande. Ce me sera un puissant atout du fait de ses relations. Un sujet de querelle, oui. À présent, tu exécutes mes ordres. La fillette sera ficelée dans une couverture, les yeux bandés. Tu la déposeras dans ma chambre et je viendrai la délivrer. Je n'aurai pas de meilleur défenseur qu'elle-même aux yeux de la police, si par hasard l'affaire tournait mal. Avec ses parents, soyez délicat. Il s'agit surtout de leur faire peur. Quelle corvée ! Allons, va, je compte sur toi. Ah, les Ophélie sont encore en train d'échanger des souvenirs avec la mère Patou sous le prendre la remise. Ah, je regrette de ne pouvoir opérer moi-même. Allons, va, ne perds pas de temps. Il ne nous suffit pas d'avoir 20 armées sur le dos. Il faut encore que le ciel nous crible de pics et de halbardes. Ah bah tu peux rire, le chatouilleur. Viens avec moi. Hein ? Monte à vous plante et ouste. Oh ! Ça, je vais prendre. Hein. Courir les pucelles par un temps pareil. Alors, qu'il y a ici même sous le toit un croquant qui ne demande pas mieux que de révéler où se trouve un trésor. On s'en occupe pas à notre retour. Toi, cours toujours, ouvre l'œil. Compte sur moi, je m'occuperai de l'empailleur. Alors tu viens ? Cette aventure est d'une imprudence folle. Fais une prière pour que le coup rate. Et toi, Benoît, prie pour que Belle Humeur ne t'ait pas entendu. Oh, bon sens que ça dégringole. Bon Dieu, quand on a fait le monde comme il est, on ne donne pas. Fâché de vous avoir réveillé. Je ne dormais pas. Désolé de prendre sur votre nuit. J'admirais la magie du céleste alchimiste. C'est
filons d'or qui zèbrent la ténèbre, ces lingots qui brasillent de Mars à Vénus. Grand Dieu, c'est beau. Comme je quitte la ville des Petrominets, je n'ai pas voulu différer un tel entretien. On va pouvoir capter la foudre, monsieur. Enchaîner les éclairs. L'orpaillage, à vous entendre, est une source de revenus très considérable. C'est un homme, nous servirons de siège. Oh, vous dites qu'il serait possible d'acquérir quelques bouts de sable le long de la rivière. La mère Patou nous a fait du feu. Elle a de bons côtés, cette goutte de barbe. Par le temps qu'il fait, c'est étaliqué. Mais dites-moi de grâce, me croyez-vous capable d'exercer le métier d'orpailleur? Ce qui importe, c'est de connaître les lieux où l'or se dépose dans les alluvions. Assurément, ce sont là les secrets, je m'en rends bien compte. Mais si vous consentiez à nous céder quelques bouts de grève, nous vous les payerons d'un bon prix. Ça mérite examen. Ah, nous sommes ici pour en débattre. Toutefois, mon associé a son mot à dire dans l'affaire. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il est un peu rébarbatif. Je connais cette sorte d'individu. Soudé d'or, bourru. Il cache un cœur, un cœur. Un cœur de lièvre, oui. Non, ce n'est pas ce que je voulais vous faire dire. Bref, tant pis. Il se fait attendre. Il ne saurait tarder. Il doit être à la recherche de son briquet. Dans les moments importants, il est toujours en train de chercher son briquet. Cherche-t-il jamais un tire-bouchon? Ah, oui. Ah, en voilà un. Vous avez raison. Ça fera passer le temps. Et je prends cette bouteille à mon compte. Des gobelets. Faisons de ces voyous un outil d'encarnage.
Approchez donc, poltron. Mais il faut qu'il meure, sinon notre proie nous échappe. Je vais lui hurler la bedaine. Hé hey, on a... Attrape, assassin. Ah, je meurs. On se coupe une canard. Oh, mais n'arrachez-moi. Cet autre par-dessus le marron. Sauvons-nous, mais cet homme est un démon. Ah, c'est l'orage, il a bouche poudre. Ça, madame, vous étiez aux mains de fameux truands. Je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez vous m'expliquer. Mais d'où sortez-vous? D'un sac, il me semble. Mais enfin, on vous a bien déniché quelque part. De plus en plus charmant. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Mais qu'à cela tienne, remettez-moi dans la toile. Allez-y, refaites le paquet. Mais enfin, pourquoi vous, là, dans cette chambre? Mais non, pas des jeunes hommes, enfin. Montre Dieu! Alors, que décidez-vous, mon garçon? Allez-vous m'enlever? Se moquer à ce point. D'abord, jeune homme, vous pourriez me dire qui vous êtes et où je suis. Vous êtes à l'auberge de la femme sans tête. Ce n'est pas possible. Si, mais je suis le chevalier de sainte adresse. Monsieur Monde ne me dit rien. Que fait votre père? Ah, date. Il sera bien temps de me questionner tout à l'heure. Sans Dieu, il me le paiera. Les bonnes actions vous mettent en colère. Ventre Dieu, j'étouffe. Oh, le félon. Il est donc si cruel de rendre service. J'ai un sang et mort par les cornes du diable. Gagnez-vous, je le retrouverai. Mais qu'avez-vous donc? J'ai, madame. Raillé, bafoué, humilié. Un coup de pistolet dans la tête. Voilà ce qu'il attend. Hein, la cale, le pourceau, le traître. Oh, mes pauvres mains. Les jours de pluie, j'ai mal aux articulations. Voilà, vous êtes délivré. Vous êtes contente. Au revoir, madame. Adieu. Peu de galanterie, monsieur le chevalier. Ah, pardonnez-moi, madame, mais vous n'êtes pas celle. Enfin, je voulais dire, je ne m'attendais pas. Votre beau garçon reprend ses esprits. Peut-être vous intéresserait-il, monsieur de sainte adresse, de savoir qui je suis. Oui? Ah, tout de même. Je suis Héloïse Freddy, la femme du banquier. Je vois que ça ne veut dire rien. À l'heure qu'il est, je devrais être dans mon lit à Genève. Mais remettez-vous donc, mon ami, les yeux vous sortent de la tête comme ceux d'un pendu. Dites-moi, là-bas, oui, je veux dire là, sur ma table, c'est du vin. Fait, madame. L'avez-vous goûté? Est-il bon? Je ne sais plus où j'en suis. Permettez-moi de vous dire que votre sang-froid dépasse les bornes. Auriez-vous préféré que je m'évanouisse? Oh non! Deux verres, voyons. Oh mon grand garçon, vous avez autant que moi besoin d'un petit montant. Nous allons nous trinquer, après quoi nous ferons un plan de matin. Je ne suis pas trop inquiète du sort de Freddy que sa fortune protège et qui, alors qu'il est, a dû regagner la ville. À vrai dire, il doit se faire du souci pour moi, ce cher vieil Horace. Mais je dois bien penser qu'il ne récupère pas. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'une vieille bite de ma sorte? Mais je redoute en revanche que ma nièce ne prenne une bronchite. Votre nièce, madame? La futée l'aura filée dans les pattes. Dieu merci, elle est de la santé. Rosite. Vous parlez l'allemand? Non. Non, bien sûr, d'ailleurs c'est du latin. Mais asseyez-vous donc qu'on fasse plus ample connaissance. Ce repas-là, vous attendiez quelqu'un? Moi? Non, pas du tout. Oh, alors dans ce cas, je dois avoir la berlue. Figurez-vous que je vois deux couverts. Oh, deux couverts, comme c'est bizarre. Les chevaux, n'est-ce pas? Il faut que je vous dise. Tout à l'heure, j'attendais mon abbé. Et l'habit. Enfin, l'abbé en habit, l'habit de l'abbé. Or, ce saint homme a dû s'en aller subitement. Pourquoi? Ah ben ça, je n'en sais rien. Si, une extrême onction. Par le temps qu'il fait. Permettez-moi, madame, de vous inviter à ma table. Si je ne savais que Freddy se ronge les dents à mon sujet, je dirais que cette soirée est une des plus amusantes que j'ai vécues depuis longtemps.
Ouh, le faux pâté que voici. Un vrai pâté du mousquetaire. Et on n'a pas lésiné sur la truffe. Ah, le grand air, l'orage, les aventures, les chevaux, la baie, oh la baie. Un enlèvement. Attaquons, monsieur le chevalier. Oui, c'est ainsi que nous autres parpaillons, disons le bénédicité. Oh Seigneur, si Horace m'entendait, lui qui fait toujours de si longues prières à teint, qu'on ne mange jamais de gros tifons. Ces repas gâtés sont des sortes d'épreuves. Mais pourquoi, m'a-t-il joué ce sale tour? Que voulez-vous, ma mère était française. Et je ne sais si c'est à cause de cela, mais je préfère monsieur de Voltaire à ce garnement de Rousseau qui fait de mauvaises manières de voler la rondière. Mais attaquons, monsieur le chevalier. Attaquons. Baptisé. Mais je l'ai été par le saint de Chambéry. J'ai goûté au
sèche, j'étais frotté d'huile, exorcisé, aspergé. Ah, c'est le chat qui a reçu ma tête. Ma langue dit tout ce qui passe dans ma tête. Si l'on avait une langue pour dire ce qui est, serait inutile. La vérité se suffit à elle-même en un profond silence. Enfin, quoi, n'est-ce pas ce banquier que j'ai raconté cette histoire? Il est hérétique. Il fallait bien que j'arrange les bidons pour faciliter mes affaires. Allez, chatouilleur! Laissez le chatouilleur! Attendez! Oui, j'ai un trésor. Un grand, un beau. Un violet. Nous y voilà. Un violet? Comment ça, violet? Violet, du rouge et du bleu, ça fait du violet. Oh, mais dis-moi, ces couleurs de pénitence. Ah. C'est le violet! Ah. Allez! Non! Une torche! Il faut trois hommes pour soulever. Trois d'une grande robustesse. Trois hommes? On peut le placer sur un cheval? Difficile, il est triangulaire. Qu'est-ce que triangulaire? Le coffre? C'est toi qui l'as fait faire? Par le charbon, oui. Pourquoi triangulaire? C'est la première fois que j'entends parler d'un coffre triangulaire. C'est la seule façon de dissimuler un trésor. Ah, tu vas nous expliquer ça! Allez! Et où est-il, ce trésor? Attends les watts. On va à l'auberge du cheval pommelé. On ouvre la porte en sortant. On crache contre le vent. On compte 12 pas d'estradio à partir du crachat retombé, et ce, dans la direction de la montagne. Après quoi, il faut attendre la nuit et se repérer à l'aide d'un sextant. Vous savez distinguer la planète Jupiter de l'étoile Cassiopée? Quoi? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Attends, écoute, laisse-moi l'interroger. Il va nous dessiner un plan. Voyons. Là, sur ce tonneau. Et je me demande en quoi un coffre triangulaire peut être préférable à une bonne malle. À cause du carré de l'hypoténuse. Quelque chose? Écoute, Orpailleur, il se peut que tu sois très savant. Les esprits auxquels tu sembles appartenir aiment à bâtir des philosophies autour de n'importe quoi. On prend un trou, on met quelque chose autour, et ça épate les princesses. Mais nous, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse. C'est ça. De plus, on est toujours pressé. Alors tu vas te lever et prouver le mouvement en marchant. Quelle bonne terre battue, qu'aussi doux, qu'aussi frais. Prends ce morceau de charbon de bois. Souffrez que je remette mes savates. Rien à faire. Pas question. Tiens, fais un point pour représenter le cheval pommelé, et de là tu traces tes mesures. Ce que je me demande, c'est comment vous vous y prendrez pour retirer un triangle sur le sol. Il faut absolument qu'il nous explique le secret de son plan. Qu'il fasse un plan d'abord. Ah, nous serons bien avancés si nous pouvons déterrer le trésor. Tu l'as point en l'air, l'a-t-il enfoncé comme un coin dans une faille de rocher? Dis donc, est-ce toi ou moi qui commande en ce lieu? Minute, tout ceci est affaire de nous. Bellemeur ne nous a rien ordonné. Il n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est juste, mais peu importe l'ordre des choses. Si on a pu nous faire. On n'a pas le temps. Allez, vas-y, ouvre. Un instant. Ce qu'il faudrait savoir tout d'abord, c'est pourquoi il a parlé d'un trésor violet. Durant que j'avais la tête dans le sac, aurait
Je vais aller aux nouvelles. J'ai hâte de savoir ce qu'il est advenu de monsieur Offredi. Je vous conseille en attendant de prendre quelques repos sur ce lit. Ah, ce drame, voyez-vous, s'est transformé pour moi en un soir de féerie. Oh, que Dieu qui m'entend me pardonne, mais c'est la première fois que je regrette d'être une vieille dame. Oh. Vous êtes, madame, pénétrée du charme dont le ciel couronne les rêves. Et je voudrais rencontrer beaucoup de péronnelles qui usent votre jeunesse d'esprit. Où ai-je mis ma tabatière? Oh, ce vin, ma foi, j'en ferai acheter. Ah, voilà. Très bien, mon garçon. Rapportez-moi de bonnes nouvelles et couvrez-vous bien par ce vieux linge. Soyez assurés que si je rencontre le dénommé Sorgnone, il n'apaisera pas plus qu'une bulle de savon. Oh, valeureux jeune homme. Reposez-vous, madame. Quelle fantasmagorie. Que pensée ne m'ont-elles pas assaillie par instant? Combien je me sens coupable. Si j'avais pu vous donner un fils, mon cher Vieillorat, et qui lui ressemblait à ce beau garçon. Oh, oh ma tête. Ces contradictions, sans mon tabac, les larmes me venaient aux yeux. Oh, bon. La goutte au nez, maintenant. Eh bien, ça me ressemble davantage. Ça ne ressemble à rien. Qu'est-ce que je vous dis que je ne sais pas dessiner? On te demande pas de nous faire le portrait de la Pompadour. Allez, prends pour son charbon de bois. Je pense que la mère Pacou est si avare de son charbon. T'as tout joué ou non? La vie est brève, mes frères. Orimus. Orimus. C'est ça, fais ta prière. Abracadabra. Ça a glissé de son droit. L'âme n'a plus de rêve et la roue s'envole. Que le pardon soit acquis à ces trois malheureux dont l'heure va sonner. À l'infortuné pour toujours. Si dangereusement menacé d'une maladie de cœur. Miserere nobis. Oh, pauvre monsieur Sorgnone. La vessie éclate et l'urine se répand dans le sang. Allez, chatouilleur, fais-le grésiller. Crèche certainement, chatouilleur. Un voile s'étend sur les yeux et l'on choix dans la faute à courant. Allez, vas-y, qu'on en finisse. Doucement, doucement. D'abord, il a raison. Mets ta main là-dessus, chatouilleur. Tu ne sens rien? Oui, ton cœur qui bat. Mais tu es tout pâle. Qu'est-ce que je vous disais? Miserere nobis. Ce qui marche s'arrête. Quant à moi, Sorgnone, j'ai mal aux yeux tout le bon. Mais il ne faut pas la jeter sur la première canne brûlée. Mais c'était pas ça, mais quand je ferme les yeux, je vois une tache pourpre, qui devient dorée, mais ça m'inquiète. Mais patron, regardez le feu, imbécile. Rien ne vous délivrera du sort que je vous ai jeté. Croyez-vous que n'est pas avec la rivière des rapports occultes? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu cherches? Rien! Un coin pour l'enskiner! Oh, pour le vieux jour! Ici, mon enfant, par ici! Je pressentais qu'il se passait quelque chose dans cette cave! Où est ma femme? Vous n'aviez pas tourné la clé? Où est ma femme? On n'invite pas les femmes à la cave! Mais qu'est-ce que c'est que cette réunion? Oh, savez-moi qui... Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Mais il est pour celui-là! Il voulait du mal avec qui vient de sortir! Bon sang, la pucelle! Vous dérangez? Une cérémonie d'initiation, monsieur le banquier. Lieutenant, la pucelle, ta gueule. Où est madame Offredi? Madame Offredi? On a enlevé ma femme pour en tirer une rançon. On l'a pistonnée dans un sac. Monsieur Valentin, qui est là-haut, pourra l'attester. Il a reçu, lui, un coup sur le crâne. Quant à moi, j'avais de la terre plein la bouche. Que me dites-vous là? On a enlevé votre femme. Mais j'en me tue à vous le répéter. Et moi, lieutenant, je me tue à faire comprendre que la colombe n'est pas dans le lit du patron, mais où je t'ai quinqué, mon sang, regarde. Ce serait dit qu'on a enlevé la vieille. Oh, bougeons. J'en connais un qui doit être en train de nous bénir. De nous bénir. Alors ça sent mauvais, ça sent mauvais. Oh oui, ça sent mauvais. Adieu, lieutenant, moi je file d'un trait jusqu'aux Amazones. Moi, je traverse la Méditerranée. Adieu. Salut, pour toujours. Oh, mais... Adieu, mon Michel. Mais attendez, oh. Mais qu'est-ce qu'il leur prend aux uns et aux autres? Ils battent la campagne. Vous avez vu ces regards égarés? Les Allemagnes,
Méditerranée. Il divague. Je n'ai jamais vécu une telle nuit de démence. Avant toute chose, monsieur, quel est le signalement de Madame Freddy? Voilà de l'à-propos. D'abord, quel âge a-t-elle? Enfin un homme avisé. Ma femme a 60 ans, mon ami. Ce n'est pas assez tâche pour se gaspiller dans l'obscurité. Qu'est-ce qui vous fait rire, imbécile? Je vous demande pardon, monsieur Bourdieu, si vous saviez ce que j'imagine. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est drôle! C'est rare, magnifique, c'est sublime! Je me demande en quoi l'âge d'une femme peut déchaîner un tel accès de joie. C'est de la déshabille. Celui-là est encore plus fou que les autres. Assez, monsieur l'extravagant. Quelque vin leur a fait perdre la raison. Venez, mon enfant, nous allons fouiller toutes les maisons de Carouge. Et je dois être à la banque à 7 heures du matin. Que l'éternel! Il voulait me violer et
votre chambre. Allons, venez. Ah, quel scandale. Oh, quelle soirée. Je suis scandalisé. Quelle soirée. Je n'ai jamais rien vécu de pareil de toute mon existence. Quelle soirée. Que ces gens sont grossiers.
Que fait l'impertinent? Il se penche sur sa selle en se tordant vers moi et il me lâche au visage. Oh! Mais je ne le saurais dire ici. Cela doit retentir encore aux oreilles du veilleur de Saint-Pierre. Alors moi, ni une, ni deux, tac, pom, il reçoit ma canne comme Henri II l'annonce de Montgomery. Ah, s'écrie-t-il en chancelant, le méchant est toujours puni. Et il s'écrase au sol comme une poiplette. Oh non, je n'ai vraiment pas de chance. Bel exploit, monsieur. Quand la propos s'allie au courage et que la vigueur soutenue par le droit vient à leur secours, il n'est point de force malsaine pour leur résister. Vous avez bien dit cela, monsieur. Le chevalier ne sait mieux que personne. Je suis malheureux. Je dois dire que les choses après se gâtèrent. Un des scélérats me couche sur la route. Il arrache une motte plus grosse que n'aurait pu la contenir la baleine de Jonas. Il me la fronce dans la bouche, me la presse dans le gessier. Je tente de l'extraire, mais il doit rencontrer une matière souple et froide qui me glace le sang. Appelez, je tire, un pilin d'épine et gluant sort d'entre mes lèvres et du sang qui s'y trouvait logé. C'était en mer de terre. Alors ça, je m'en souviendrai. Du vin, mère Patou. Le vin nettoie la bouche et purge la mémoire. Mademoiselle Béatrice, je savais que nous nous reverrions. Quant à vous, jeune homme, vous avez pris tous les coups malheureux de cette méchante farce. Vous êtes courageux. Fait-on comme il convient une si heureuse issue. Ancré, les argousins. Qui diable les a prévenus? Enfin, nous vous attendions, monsieur le gendarme. Ah, monsieur, que nous vous rapportions notre affaire. L'affaire, madame, nous la connaissons sur le bout du doigt. Le vigneron a mis une heure à nous l'expliquer. Le vigneron, l'ingrat. Oh, oh, ça se gâte. Je doute que ce brave homme en sache autant que nous sur les événements de cette nuit. T'es qu'à vendre si manger une slou d'abel. On dirait que slou de venin est un cul à chemise à vouer le charançon. T'es bien qu'eux n'en avons jamais vu rien de toute leur vie. Toujours la gueule ouverte. Mais qu'est-ce qu'il chante de nouveau? Il parle de charançon. Oh, c'est un obsédé. Il dit que vous n'avez peut-être jamais vu un verpillon de toute votre vie. Mais ma foi non, je n'en ai jamais vu. Mais il nous agace. Il s'est tout de même passé cette nuit autre chose qu'un combat de chenilles et de pamplona. Pour l'instant, monsieur, nous devons nous assurer que les verpillons ont bien été introduits sous ce toit. Oh, c'est trop fort. Oh, celle-là, elle est raide. Ah, monsieur, le charançon est un insecte redoutable et l'on a bien raison de le traquer jusque dans les alcôves. Oui, oui, mon ami. T'as bien raison de rendre service à la terre. Ma faut parler en français, c'est pas trop simple et complet. Bien dit, excellence. Donc je répète, il y en avait un. Ils étaient deux, moi. Et de qui veux-tu parler, en fait, con? Oh, le blanc, celui-ci, et l'homme là. Faudrait voir un pote sauvé, hein. Eh, hey, qu'est-ce qu'il lui prend à ce crapoisi? C'est lui? C'est lui. Lui, quoi, lui? Qui, lui? Qu'est-ce qu'on me reproche? De colporter des charançons dans une caisse. J'avoue que ça me paraît un peu étrange. Mais vous l'avez dit au vigneron. Moi, j'ai dit ça. Tu oses prétendre que j'ai dit ça, dit boiteux, moche merde. Non, moche merde. Erreur sur la personne, monsieur le gendarme. Ses propos sont du chatouilleur. Et où est cet homme? Un nègre fin, un escroc, une canaille. Il voulait me vendre les trous du salaire. Il a filé le vent sous les aisselles de peur que je sois kiffé les tuiles. Tu entends, chasseur de blattes? Des blattes? Je demande qu'on fouille la maison. Allez-y donc. Après tout, nous avons une année, Yanniton. Peut-être qu'il est allé grôler les pommiers pour vendre des hannetons bouchés. N'oubliez qu'on était dimanche. Eh ben, mais montons. Permettez, je vous conduis. Ah, te revoici, François Caille. Et puisque je pense, ou bien tu es fantastiquement bête, ou bien tu es le plus intelligent de nous tous. Mais si tu es intelligent, alors ce que tu fais est rudement bête. Une fois de plus, l'empailleur. Vous avez parlé pour ne rien dire. Eh bien, nous comptons moins que les coléoptères. C'est scandaleux, ma chère, scandaleux. Il n'y a plus de protection pour les honnêtes gens. Mais comptons-nous aussi, j'ai besoin de me rafraîchir. Le chatouilleur est parti avec Sornial. Ah, les crottins, bats-toi. Ah oui, les crottins. Tu as bien joué tout à l'heure en feignant de ne me point reconnaître. Je le répète à qui veut l'entendre, mandrin, j'irai crever sur sa tombe. Merci de l'intention. Mais comme je suis plus jeune que toi, j'espère que tu mourras près. Tu avais deux mots à me dire. Vous avez un cheval qui traverse la rivière à gué, chargé de ballots tout seul et la repasse tout seul, une fois délesté. Or, voici trois nuits que cet animal se met à hennir lorsqu'il retrouve le rivage de ce
ne l'as-tu fait toi-même? Cela t'aurait valu une prime. Votre coffre là-haut, je l'ai caché, mais ils le retrouveront. J'en ai refermé le cadenas qui s'était ouvert. Vous êtes seul, capitaine, abandonné de vos lieutenants, pas un fusil, pas une piscaïenne. Tu ne veux toujours pas entrer dans ma bande? Un jour ici, le lendemain là, il faut avoir la bouchette. Non, non, ce n'est pas de mon goût. Entre la rivière et la taverne où nous sommes, j'imagine moi beaucoup plus de choses que vous ne serez en trouvé dans le monde. Mais s'enrichir en faisant plaisir au public, telle est ma devise. Tous mes hommes se sont enrichis. Mais je suis riche, capitaine. Ah oui, ton trésor. Voilà. Heureux homme. Merci. Prends garde aux fermiers généraux, ils te dépouilleront. Ah, vous me faites du bien. Avec ta connaissance des bois et des eaux, tu aurais fait un fameux passeur de tabac de Copet à la rive savoyarde. Bref, tu dis qu'ils vont trouver le coffre. Sornian et le chatouilleur m'ont lâché. Bélisard est à Saint-Julien pour toujours. Il a fait un trou dans la nuit. Tu as raison, ça sent le voler. J'ai encore quelque chose à régler. Tiens-toi au bas de cet escalier. Lorsqu'ils descendront, tente une diversion. Si je récupère mon or, ta récompense sera grande. Va, jeune camp, ne perds pas de temps. Monsieur Offredi, chevalier, j'ai réfléchi à la proposition que vous m'avez faite tout à l'heure. Rappelez-moi laquelle, monsieur. J'ai avec moi un coffre contenant une assez appréciable fortune. Il est dans ma chambre. Or, ce qui s'est passé cette nuit ne m'encourage guère à poursuivre mon voyage avec un viatique aussi convoité. Je vous l'ai dit, chevalier, placez-le dans une banque. Hélas, je n'ai pas le temps de passer par Genève demain. Confiez-le-moi, j'en réponds. C'est ce que je voulais vous demander. Le coffre est peint en bleu, muni d'un cadenas, dont voici la clé. Il contient 80 sacs d'or, d'une livre chacun. Je vais vous établir en reçu. Valentin! Qu'on m'apporte de quoi écrire. De quoi écrire? Bien, monsieur. Vous avez mon entière confiance. Je serai à Genève dans 3 jours. Nous nous occuperons des détails. Voici, monsieur, de quoi écrire. Monsieur le banquier, permettez que je me retire un instant. Venez avec moi, monsieur Valentin. J'ai quelque chose à vous dire. Nous avons donc dit bleu avec un gros cadenas. Bien volontiers, monsieur, mais je dois rester au service. Venez, je vous promets beaucoup d'amusement. Monsieur le banquier, je me retire. Mais oui, mais oui, mais oui. 80 livres. Voilà. Nous allons contrôler cela. Allons bon. Les voilà partis. Je serais allé avec eux, c'eût été plus simple. Ah, les gens deviennent compliqués. Alors? Alors quoi? Laissez-nous passer. Pourquoi faire? Ça pourquoi faire? Je vous demande ce que vous voulez faire. Mais voyez moi. Ah ah non, je ne vois pas. Donc vous mets moi cul de plomb. Car vous saurez pourquoi je suis assis sur cette marche. M'en fous, moi, ces poignets me font mal aux mains. Et reposez-vous un instant. Pose un moment. Dis donc, l'orpailleur, vous voulez faire obstacle à la force publique? Moi, pourquoi donc? Vous nous empêchez de passer. Ah, c'était donc ça, vous vouliez passer? Je n'avais pas compris. Fallait le dire, sergent. Imbécile. Allez, sans se détailler. Dis, t'es sûr que les charançons, ça ne bouffe pas plomb, moi? Ben, il suffit de regarder. Vous savez, ce coffre est de couleur bleue. Pas de doute, c'est le dépôt du chevalier. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Qu'est-ce qui vous autorise à transporter ici mes bagages? Ce coffre m'appartient. Ce coffre est à vous? À moi, oui. Nous demandions justement à qui il était. Vous l'auriez appris si vous aviez bien voulu m'écouter. Je suis le banquier Offredi de Genève. Monsieur, étant donné ce qui se passe, nous aimerions savoir ce que contient ce coffre. Ah, c'est facile à voir, puisque j'en ai la clé. Tenez, la voilà. Voilà, êtes-vous satisfait? Mazette! Vous attendiez-vous que je transportasse avec moi des verres blancs ou des sauterelles? Mais monsieur, il est périlleux de mettre sa fortune à la pluie. L'or est pari à la laine. Un orage y rétrécit. De couillons vivants. Mais quelque chose d'absous. J'en suis sûr. À présent, voulez-vous écouter le récit de mes infortunes? Ah, vous voici, Évelyse. Venez. Venez-vous aussi, Béatrice. Enfin, la magistrature aime nous écouter. Dire qu'il est 2 heures du matin. Que personne ne bouge. La maison est cernée. Tout fuyard sera abattu d'un coup de pistolet. C'est
ce pistolet. Où est Mandrin? Mandrin? De qui veut-il parler? Il ferait beau voir que Mandrin rapique un jour chez moi. Je le jetterai à la rue. Mandrin, le brigand Mandrin? Alors, où est le chevalier de sainte adresse? Nous savons qu'il est ici. Nous avons le témoignage d'un cavalier que nous venons d'intercepter alors qu'il se rendait à Genève. Un cavalier qui sortait d'ici? Oui, là! Un nommé Valentin. Nous avons vu ses papiers. Allons bon! Personne ne sort sans ma permission. Mesdames, je vous conseille de vous réunir dans une chambre. Nous pourrions avoir un bac. Oh, que c'est excitant! Grâce! Allons! Fouillons la maison. La porte. Qui aurait pu s'en douter? Nous avons été mystifiés. Mon Dieu, pourvu qu'il sortir, pourvu qu'il sortir. Mais c'est ça, voler au secours des bandits. Mandrin n'est pas un bandit, c'est un gentilhomme. Ah bon? Ah, bravo! Décidément, la sottise n'épargne même pas la famille. Je suis de la vie de Béatrice. Oh, madame! Oui, ce garçon me plaît à moi. Il a de la physionomie. Rien que ça. Oh, mais c'est ainsi. Une femme doit laisser parler ses sentiments, car ses sentiments n'en la trompent jamais. Vous vous exprimez, madame, comme une pape souris. Oh, oh, c'est joli. 30 ans de mariage et cela se défait à la vue d'un brigand. Plus d'un demi-siècle de moralité exemplaire. Et cela s'exprime comme la croûte de pâté. Justement, le pâté. Le pâté? Oui, madame, le pâté. Les 20 capitules, les jabots de dentelle et l'odeur de la pergamote. Avec une pression de main sans doute à travers les chandelles. Oh, où peut-elle s'asseoir? Madame, je me suis battu à 1 contre 1000 pour vous avoir à ma table en tête en l'air et en cotillon. Oh! Après quoi, on va frotter sa chemise aux choses d'un ramasseur de boue. Oh! Ça, banquier, vous me le paierez. Eh bien, moi, je vous dis une chose, Freddy. Mandrin m'a offert du pâté. Il vous a fait bouffer de la tête. Oh! Voilà tout ce qu'il ne sait pas. Mesdames, entrez dans cette chambre. Disparaissez de ma vue. Je vais prier pour que le chevalier échappe aux mains de la police. Ordre du capitaine. Par l'histoire, Héloïse, ça suffit. Notre affaire sera portée devant le consistoire. Vous êtes un vieux fou, Freddy. Là, pendant ce temps, ce petit crétin de Valentin fait de l'équitation sous la pluie. Avec quel cheval, je me le demande. Bref, nous ramènera-t-il une autre voiture? En attendant, nous voici prisonniers. Pas de chance, monsieur. Pas de chance. Non, vraiment, pas de chance. Enfin, si l'on considère ce qui aurait pu arriver, nous pouvons remercier le ciel de son indulgence. Pas de chance. Oh, vous êtes pessimiste, mon ami. Rossel. Pardon? Rossel, je dis Rossel. Quoi? Vous recevez présentement le butin du dernier coup de Mandrin dans le Dauphiné. C'est pourquoi je vous dis, pas de chance. Oh, Seigneur Dieu, je n'y pensais point. C'est puni par les lois de tous les pays. Oh, quelle histoire! Votre réputation aura en souffrir. Mais cette nuit est un cauchemar! Un sabbat, monsieur. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'en ai jamais vu d'aussi étranges que celles qui se sont déroulées depuis que j'ai crié à l'or par cette porte-ci. Résumons, voulez-vous? Un orpailleur a dit longtemps de vous brûler les pieds. Vous? Moi. Vous ne vous en êtes pas douté, tout ému que vous étiez de notre aventure et du sort de Madame Prince. Un orpailleur, donc, qu'on met à la torture. Des charançons, qui ameutent la maréchaussée. Un banquier, à qui il enlève sa femme. Une colombe, amoureuse d'un bandit. Un lit qui a... Passez, je vous prie, épargnez-moi ce souvenir ridicule. J'ai vu encore le bandit faire confiance au banquier et le banquier faire confiance au banquier. Mais avez-vous pillé, oui ou non? J'ai vu tout cela en moins d'une nuit. Mais tout cela n'est rien en comparaison de ce que je vais voir. J'ai été joué. Comment un banquier genevois sait se tirer d'affaire en une circonstance aussi malheureuse pour sa réputation et ses intérêts? Seigneur, je m'en remets à vous. Et j'ai été malhonnête. En toute conscience, non! Et pourtant, je risque la ruine. Que Saint-Esprit me soit donné. C'est ça, comptez sur lui. Oh, l'orpailleur! N'avez-vous pas un trésor? Ce sont des choses.
Vous avez amassé beaucoup d'or dans votre vie. De la boue, monsieur, de la boue. Ce trésor orpailleur, vous avez eu la riche idée de le confier à la banque Freddy, qui vous le rapporte ce soir même. Tenez, il est là, sur cette table. Et là, doucement. Vite, un reçu et une étape. Comme vous y allez. Un peu d'encre sur du papier, les hommes vous tirent leur chapeau. Doucement, vous dis-je. La rivière vous sourit de mille reflets. Ah. Si vous me prenez par la poésie. Attendez. En somme, qu'est-ce que je risque? Justement, rien. Vous ne risquez rien. Rien? Rien. Passez-moi la plume. Nos coffres sont la sûreté même. Il n'est pas prudent de conserver chez soi de l'or qui peut être volé. Pensez à vos vieux jours, un placement qui rapporte. Voici le reçu. Voilà le trésor. La clé, je vous prie. Qu'est-ce que vous avez mis là de votre sale écriture? Reçu mon trésor en retour, sans les intérêts? Quand on dépose de l'argent dans une banque, on ne touche pas d'intérêt. Vous ne manquez pas de pudeur, mon bonhomme. 5% la ville, 3% la campagne. C'est ce que Calvin avait préconisé. Oui, ben laissons là notre grand Calvin. Or, Carouge est une ville. Mais n'avez-vous pas toute honte, Bulle? Ah, ça non, si j'en juge à ma soif. Le temps presse, monsieur. 5% la clé. Vous êtes trop exigeant. Veuillez m'excuser, il faut que j'aille ramasser de la boue. Attendez, là, votre clé. Je n'ai pas besoin de vous prévenir que la banque vous calculera ses frais. Vous imaginez bien qu'on ne fait pas venir un trésor à Carouge comme on amène un chariot de pommes. Surtout quand les lits sont infestés de brigands. Vous êtes bien plus fort, commandant. Garez-vous. Mon Dieu, mon Dieu. Attention, la bête est dangereuse. Je n'ai pas visé, il n'a rien. Mandrin, cesse de simuler. Relève-toi et mets les mains sur la tête. Au nom du roi, Louis Mandrin, alias chevalier de Sainte Adresse, je t'arrête. Valentin! Raté, capitaine. Qu'est-ce que vous dites? Mandrin vous a filé entre les pattes. Qu'est-ce que vous dites? Cet homme est un jeune bois. Cet homme est mon secrétaire, un fief et imbécile. Il se déguise à présent. Vous vous croyez au carnaval? Un héros, Valentin, venez que je vous embrasse. Nous sommes refaits, commandant. Je vais vous arrêter pour complicité. Monsieur le commandant, il m'a placé son pistolet sur le crâne et il m'a dit: je crois que tu serais plus élégant dans mes vêtements que dans les tiens. Qu'auriez-vous fait à ma place? Ah, c'est bon. Mais il ne fait rien pour attendre. Enseigne-toi. Avec ton peloton, tu bats la rive gauche du Rhône. Et arrêtez-vous à la Maladière. Assurez-vous qu'il ne s'est pas caché parmi les lépreux. Vous les envoyez chez les lacs? C'est un ordre. Je frémis, rien qu'à la pensée des regarder. Allez, on est lanternes, ils sont comme tout le monde. Mais dans ce cas, comment reconnaître Mandrin? C'est Mandrin qui vous reconnaîtra. Il viendra à nous et nous dira: sacré malin, vous m'avez découvert. Il s'enfuira. Et comme l'hôpital sera cerné, vous capturerez. Exécution. Et ne nous revenez pas avec une peau de crocodile. Le peloton battra le long du Saint-Lève. Demain, l'escadron filera sur Grenoble. Qu'est-ce que tu attends? Je pars. Quelle corvée! Bien du plaisir. Il a déjà une voix de crécelle. J'ai encore une chose à éclaircir ici. La gendarmerie me signale un coffre rempli d'or. À qui appartient-il? Je suis le banquier Offredi de Genève. Ce coffre est à vous. Je le rapporte à l'un de mes clients. Fort bien. Donnez-moi le nom de cet homme. Les usages de la banque ne me le permettent pas. Mandrin est passé par ici. Dès lors, tout est suspect. Je serais fâché, monsieur, de devoir vous arrêter. Peut-être mon client consentira-t-il à se faire connaître. Monsieur le capitaine, cette fortune est à moi. Il est fou. Il veut rire. Oh, le farceur parle toujours pour ne rien dire. Je revendique la propriété de ce coffre. Mais Amédée, tu vas t'attirer des histoires. Tu n'as plus qu'un lingot dans la tête. Ce magot m'appartient. J'en détiens le reçu, si vous voulez le voir. Croyez-vous qu'on l'aurait trouvé si facilement si c'était Mandrin qui l'avait apporté, qu'il se trouverait comme cela, tout bêtement, sur la table de l'auberge? Pourtant, tout à l'heure, quand nous vous dormiez, l'orpailleur. Alors, tu vas pas recommencer, nous la connaissons, ton histoire. Mais pourtant, messieurs les gens, ah, c'est toute la soirée. Mais c'est un garçon, celui-là. Et un
plus si je te fous dedans. Tu ne voulais pas me croire, Fanfouille, ta vue est basse. Très basse. Ça vaut mieux que des vertillons, hein. C'est autre chose qu'on est en pipe, hein. Messieurs, bien toute l'histoire. Êtes-vous satisfait, capitaine? Je ne faisais que mon devoir, monsieur le banquier. Mesdames, que l'avenir vous soit favorable. Restez sur le qui-vive, vous autres. Un instant, monsieur le gendarme. Monsieur, quand l'armée prend les choses en main, notre devoir est de nous effacer. J'ai contrôlé deux, trois choses. Oh. Ces jeunes voix, c'est toujours en train de râler. Qui parmi moi jamais cru que mon travail me vaudrait quelque chose? Vous passez sur la rive, goguenard, ricaneur. Je vous voyais dans mon dos, pauvre silhouette, minable fantôme. Dis-leur d'ailleurs sa mort. Qu'est-ce que tu vas nous rapporter? Dis-leur tous les godasses. Si tu trouves un chèque robé, dis-le nous. On l'annoncera au son du tambour. Allons, jeune con, ne sois pas amer. Tant de rancune quand tu es si riche. Un trésor fabuleux. C'est bon. Je me suis réjoui toute ma vie à l'idée de voir mon bobine en un instant pareil. Maintenant, je suis satisfait. Passons à autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Vous allez le voir sans tarder. Mère Batou, vous savez jouer la balle? Qu'est-ce que tu me veux encore? Attrape. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'ardoise est effacée. Crédit illimité. Ah, bonté divine. Tu veux que je te nourrisse d'ortolan? Je veux mourir de la goutte. C'est une maladie noble. Monsieur Valentin. Monsieur. Vous portez des habits de mandrin. Je vous les achète. Oh non, monsieur. Nous tenons à conserver ce souvenir. Nous tenons ce nous, ma femme charme. Voici ce que je vous en offre. Avec cela, jeune homme, votre situation dans la banque au crédit sera des meilleures. Alors? Les habits d'un brigand n'ajoutent rien à votre vaillance, Valentin. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Vendez! Et de deux. À toi, Taille, maintenant. Moi, accepte ce petit numéraire. Et pour quoi donc? Pour te construire une ferme avec des verpillons. Allons, prends. Et ne dis plus que je parle pour ne rien dire. Oh, cette fois-ci, l'employeur, je vous pèse les mains. Approche, Tétita. Mon gros lingot, je l'ai dit. Voici pour ton trousseau. Je veux à notre chambre des rideaux d'or. Nous allons nous marier? Dis merci, et tais-toi. Allons-nous-en, avant que les oiseaux ne commencent à chanter. Héloïse, Béatrice. Laissez-moi vous embrasser, monsieur. Sans adieu, ma bonne Marie. Je vous écrirai. Non, je vous reverrai. Dans ma tête. Monsieur, si tout va comme je veux, notre fils s'appellera Amédée. Et si c'est une fille? Bien, nous l'appellerons Laure. Mon Dieu, qu'il a de l'esprit, ce petit. Revenez-nous. D'ordinaire, notre berge est bien plus tranquille. Ta maison sera notre plus beau souvenir. Sans adieu, petit. Merci. Et que cela reste entre nous. La banque prédit ne se dédiera point. Quand voulez-vous toucher vos intérêts? Il reste chez vous. Envoyez-moi un compte. C'est entendu. Les intérêts, de vos intérêts, commencent à courir dès demain. Les intérêts de mes intérêts. Je t'expliquerai ça plus tard. Un mot encore, monsieur Jeunecamp. Si d'aventure vous aviez quelque fortune à déposer quelque part, voici. Nous y penserons, monsieur. Oh, quelle soirée! Mon drame donne un écu. L'orpailleur fait de moi un fermier. Et je m'en vais encore toucher la prime, comme dans la gendarmerie, pour encore mener un endroit où se trouvaient des brigands. Allez comprendre ça! Dans toute histoire, il y a un idiot qui n'y comprend. Puisque c'est vous qui le dites, l'orpailleur. Allons, allons, on ferme! Allez dormir, femme sans tête, et toi aussi, Pépita. J'ai besoin de me recueillir pendant quelques instants. Je parie que tu veux encore un verre. Tu vas te saouler. Non. Tiens, voilà un baiser. Ça fait 15 ans que je n'en ai pas donné.
part cette grande voleuse, la mort pourrait me l'enlever. Or, je vous le demande, qu'il soit ici, ou enterré dans un champ, ou dans une banque genevoise, ou dans la caverne de Mandrin, quelle est la différence? Nous avons tous un trésor ici. Et lorsqu'on possède un pareil capital, nul n'est besoin de banquier pour le faire fructifier. Cela dit pour ceux qui ont besoin d'argent, car en ce qui me concerne, une petite paillette, minuscule, une tête d'épingle, un lundi matin, et toute ma semaine poudra. Mandrin récupérera son chapeau, sa cape et son trésor, amputé de ma commission. Ne lui ai-je pas rendu les plus grands services? Valentin épousera Béatrice, Béca oubliera qu'il a pu passer le coffre. D'ailleurs, cette histoire n'a pas de morale. Il y aura toujours des banquiers pour se tirer d'affaire, des bandits pour plaire au public, et des gendarmes pour s'occuper de Verpillon. Au demeurant, il existait un homme, moi, qui était